Bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel. Après avoir joué à Papers, Please tout à l'heure, qui nous plonge en fait dans une sorte de pays façon ex-URSS, pays de l'Est, bah, je reviens donc sur This War of Mine, qui est ce jeu que vous m'avez conseillé de jouer. Et je me suis un peu renseigné sur ce jeu. Donc effectivement, c'est un jeu qui a été inspiré de la guerre dans les pays de l'Est. Et bon, c'est vrai que j'ai dit que c'était un jeu post-apocalyptique. Alors bon, c'est vrai que c'est pas vraiment un jeu post-apocalyptique, mais bon, c'est vrai que pour ceux qui vivent la guerre, on peut vraiment voir ça comme une apocalypse. Et en l'occurrence, bah là, il faut essayer de survivre et faire des choix tout au long de la journée pour améliorer les conditions de vie. Et ensuite, le soir, eh bien, aller fouiller un peu la ville, parce que la journée, en fait, il y a des snipers. Et voilà, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, ce qu'on va pouvoir récupérer, etc. Donc c'est vrai que moi, d'ordinaire, j'aime pas du tout les jeux de guerre, hein, parce que voilà, moi, j'ai jamais trop aimé cet aspect-là où il faut tirer sur des gens et tout. Et c'est vrai que ce jeu-là, en fait, nous montre l'autre côté, en fait, quand on est des simples civils et qu'on subit la guerre. Et c'est vrai qu'en ce moment, eh bien, en Europe, il y a ce qu'on appelle la crise des migrants, c'est-à-dire que en particulier ce qui se passe en Syrie, c'est assez catastrophique. Et les gens, voilà, moi je me pose vraiment la question, à quel point c'est l'horreur là-bas pour que les gens décident de tout quitter et risquer leur vie pour venir en Europe, quoi. Voilà, c'est pas très drôle, mais bon, là on est dans un jeu. Et alors voilà, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai joué tout à l'heure et j'ai oublié de lancer la caméra, donc c'est pour ça que là je refais une partie juste pour que vous voyez. Donc là en l'occurrence je vois que nous avons été pillés, quelqu'un est venu ici pendant la nuit s'emparer de nos affaires par la force. Oh, j'ai cru qu'on nous avait volé 24 trucs. Ok, très bien. Eh bien je ne sais pas qu'est-ce qu'on m'a volé, fais voir. Bon, on m'a laissé de la bouffe, écoutez, c'est pas mal. Bon, ce que j'ai fait, c'est juste que je suis allé fouiller une école et du coup voilà quoi. Alors lui, il devait fouiller. Il a faim, il a de légères blessures. Ah oui, alors voilà. Ce que je voulais faire, c'était que j'avais envoyé lui là dehors pour aller récupérer des médicaments. Ben, ça me disait qu'à l'école, il y en avait pas mal des médicaments. Mais après, voilà, il y avait pas. J'ai rien trouvé. Donc c'est un peu problématique. Donc parce que j'ai lui qui est malade. Lui qui est malade. Non, il a besoin de beaucoup de repos. Et lui qui a de légères blessures. Mais c'est en voie de guérison. Donc lui, par contre, il a besoin de beaucoup de repos. Donc par contre, c'est lequel qui dort? Non, c'est lui qui dort. Alors lui, je vais lui demander d'aller s'asseoir. Voilà, par contre, lui, il est au bord de sa vie, là. Voilà. Vas-y, va te coucher. Ah, regardez, il passe par là, c'est trop drôle. Ah, c'est trop drôle, j'avais pas vu, en fait. Non, mais le mec, il est hyper fatigué, il descend par là. Et nous avons notre ami Marco, qui a toujours faim, légèrement malade, et il a besoin de repos. Eh ben, écoutez, là, le problème, c'est qu'il me faudrait un lit de plus. Et en fait, on va aller voir s'il peut fabriquer un lit de plus, parce que là, ça va pas du tout. Voilà. Avec tout ce que j'ai ramené, je pense que j'ai de quoi faire un lit. Ah oui, c'est génial. Ah oui, j'ai ramené vraiment beaucoup de choses. Alors, c'est parfait. On va faire ça. Quoi? Ah, voilà. Est-ce que je peux le mettre là? Non. Non, non, non. Non. Non, non. Là, non. Où est-ce que je peux mettre ce lit? Ah, ben voilà, parfait. Là, là, là. En fait, je crois qu'il y a pas beaucoup. Il y a un emplacement, deux emplacements, trois emplacements. Alors attendez, ça c'est quand même super bizarre. J'aurais bien voulu le mettre là, en fait, dans cette chambre, en fait. Là. Ah, là, là. Non, ça ne va pas. Eh bien, écoutez, mes chers amis, vous allez dormir à la cave, placée. Et comme ça, il va pouvoir se reposer. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on fait pour déplacer les objets. Eh bien, écoute, toi, normalement, il reste assez pour faire un lit. Voilà. Et alors en fait, voilà, ce que j'ai lu, c'est que du coup, dans le jeu, il y a la possibilité d'avoir des enfants. Mais alors, je sais pas là, techniquement, comment c'est possible en fait. Attendez, là, est-ce que j'ai assez? Oui, c'est bon. Je ne sais pas si c'est possible. Je peux pas le mettre là ou là. Ouais. Bah pourquoi? Voilà. Voilà. Ok. Et en fait, comme dans 60 secondes, en fait, les enfants ne meurent pas. Ils ne peuvent pas mourir. Ils ont fait ce choix en se disant, bon, ok, on va faire quand même un jeu réaliste sur la guerre, mais pour les enfants, on va rester dans la symbolique. Alors, c'est vrai que, bon, voilà, la guerre tue sans distinction tout âge, toute origine, tout sexe. Et c'est vrai, voilà, et ils se disent, on va rester dans la symbolique quand même. Ah, j'ai gagné un succès, Diary Hotel Open. Eh bien, écoute, toi, tu dors, écoute, hein, voilà, t'as besoin de te reposer. Et en fait, la température est à 19, c'est pas trop mal.
C'est qui lui déjà? Ouais, Bruno. Ah, c'est lui. Ça va. Il n'est pas trop fatigué. Alors, je vais lui demander de. Allez, vas-y. Par contre, tu cours, s'il te plaît. Je vais lui demander de fabriquer une radio. Parce qu'en fait, j'ai vu que je pourrais en fabriquer une. Comme ça, eux, ils se reposent. Et puis voilà. Je sais pas du tout, par contre. Alors, attendez. Poursuivre l'actualité. Ouais, ça aussi, c'est ce genre de truc primordiaux. Ça, c'est pour faire un peu de. Ah, c'est pour faire de l'alcool. C'est pas mal. Ok, donc tu vas faire ça, fabriquer. Où est-ce que je mets la petite radio? Eh ben regardez la petite radio. On va la mettre là. Ah non, on peut pas la mettre là. Là, 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 là. Ah, regardez. Voilà. Non, pas là. Eh bien là, voilà, ils sont bien, comme ça ils écoutent. Alors voilà, ce que je disais, c'est que je ne sais pas si on peut barricader la porte, en fait, pour éviter qu'on se fasse piller, en fait. Comment on fait pour ne pas être... Être pillé, très grande question. Et oh, les yeux ont cligné là. Vous avez vu? Trop drôle. Donc lui, il a toujours faim. Ouais, ok. C'est vraiment la misère. Et lui, il voilà, il a besoin de repos. Bon, bah de toute façon, on va profiter de notre ami Pavle qui est en très bonne forme. Vas-y, écoute la radio ce qu'elle dit. Alors, vous écoutez Radio Pogoren. Nous avons le regret de vous annoncer que notre collègue Jovan est décédé ce matin. Il a été abattu par un tireur d'élite. Ah, oh, c'est horrible. Vous écoutez Radio Pogren, ok. Ah oui, d'accord. Ah, c'est trop bien. Malgré les contre-attaques désespérées des rebelles, pour lever le siège de Pogren, la ville reste isolée. Les forces gouvernementales empêchent toutes les aides d'arriver jusqu'à la ville sous prétexte qu'elle finira entre les mains des rebelles. Ah, c'est horrible. Vas-y. Non, y a rien. Ouais. De la musique, un peu de musique, de la musique classique. Hein? Ah! Les prochains jours devraient rester agréables et doux temps. Et doux, pardon, temps idéal pour une balade dans le parc. Ah, tu parles. Les pauvres, quoi. Ok. Bon, c'est pas mal. Alors, fabriquons. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Ah, je peux plus fabriquer parce que j'ai plus de. Voilà. J'ai fabriqué quand même un peu de carburant pour le. Vous savez, pour le poêle. Parce qu'en fait, si jamais le poêle tombe en panne, je crois que. Ah, il s'est blessé. Oh zut. Bon, et là, est-ce que je peux l'améliorer? Ah non, d'accord. Il manque plein de choses. Ok. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais partir en exploration cette nuit. Je vais le faire se reposer. Je vais partir en exploration cette nuit pour pouvoir améliorer. Améliorer l'atelier et en fait voilà objectif hein, trouver beaucoup de médicaments parce que là ça va pas du tout c'est vraiment la cata quoi c'est triste comme jeu en fait l'un jeu c'est fait pour ah ça y est il est plus fatigué non ah non zut c'est parce que j'avais cliqué c'est triste comme jeu je disais parce que voilà un jeu on est là pour s'amuser et tout et bon c'est sûr que voilà le concept est vraiment très bien et très prenant mais c'est vrai que ça fout un coup au moral quoi. Ok, en voie de rétablissement. En voie de rétablissement. Eh bien, écoutez, on termine la journée. Comme ça, j'ai rien d'autre à faire. Alors, voyons. A toujours faim, a de légères blessures. A faim, a de légères blessures. A toujours faim et légèrement malade. Ah, il est tombé malade, mon petit Marco. Alors, Marco, par contre, je vais lui dire d'aller partir collecter. Et lui, je vais lui dire de monter la garde. Et lui aussi. Voilà, parce qu'ils sont plus fatigués. Voilà, j'étais allé visiter l'école. Et il disait qu'il y avait des médicaments là-bas et au croisement des tireurs d'élite. Ah non, j'y vais pas. Et en fait, j'hésite à retourner au cottage pour récupérer l'arme que j'avais laissée. Ah, nouveau, petit immeuble, voyons. Quantité énorme de pièces, quantité énorme d'armes, prudence recommandée. Ouh! J'ai peur. Beaucoup de médicaments. Beaucoup de pièces, quantité énorme de médicaments. J'en ai pas trouvé. Oh là là. Non, vous savez quoi? Je vais aller. Oh, j'en sais rien. J'ai peur d'aller là-bas en fait. La villa. Beaucoup de médicaments. Oh, non, mais je vais retourner à l'école en fait. Je vais retourner à l'école en fait. Voilà. Si j'envoie deux personnes en fait, c'est bien, non? Pour fouiller en fait. Ouais, je peux faire ça. Comme ça, je ramène plein de choses. Lui, il monte la garde. Alors, on va faire ça. Ok. Qu'est-ce que je prends avec eux? Non, je prends rien. Comme ça, ils sont pleins. Ok, alors attendez, j'ai bien mis deux personnes parties collecter. Ah non, je peux pas. D'accord, bah, je vais prendre lui parce qu'il a plus de place. Et lui, je vais lui demander de monter la garde. Comme ça, ils se reposeront après. Ok.
Donc Marco, c'est parti. Oh, double the watch. Ah, mais ça veut dire que comme j'y suis déjà retourné, ça me permet d'y retourner. Allez, c'est parti. Va tout doucement. Alors là, il y avait plein de rats, c'était horrible. Oh! Ok, allez, entre. Ok. Donc, on va aller regarder par là-bas. Donc moi, j'étais allé jusque là-haut. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un rat, j'ai peur. J'étais allé jusque là-haut, en fait. J'étais descendu par là et tout, c'était trop cool. Et je vais continuer. Non, mais là, c'est barricadé. Ouais, allez, tiens, je fais. Bon, le problème, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Ah, d'accord, il faut que j'essaie de l'autre côté. Ok, j'avais pas vu, excusez-moi. Très bien. Alors, on va. Là, le problème, c'est que excaver tout ça, c'est trop long. Bon, d'abord. Non, pardon. Oula, j'espère que c'est juste qu'un rat. Et là, imaginez, la porte, elle s'ouvre. Le truc qui me fera trop peur, c'est. Allez, vas-y, passe. Ok. On va regarder, pardon, par là. Alors, est-ce que je peux monter là-haut? Ouais, en fait, je pense. Ok, il n'y a rien. Passe. Donc, j'avais trouvé plein de trucs hein, dans les... Les... C'est quoi, ça? Pas me faire peur comme ça, les gens. Vas-y, descends. Je sais pas si je peux descendre par là, en fait. Ah, oui. Alors, voyons voir. Je fais du bruit, là. Oh. J'aime pas, ça me fait peur, tout ça. Alors, attendez. Là, il y a des trucs, vous croyez? Non. Oh, mais en fait, c'est immense. J'avais pas vu que c'était grand à ce point-là, en fait. Ah, c'est fou. Allez, on va explorer. Ok. Il n'y a rien. Alors, c'était là que c'était bloqué, n'est-ce pas? Vas-y, entre. Ah, j'avais pas vu ça. Parfait. Ok. Ouh, parfait. Alors ça j'aime bien, du coup je peux améliorer l'atelier avec moi. Oh, je fais du bruit, il faut y aller tout doucement. Fais pas de bruit s'il te plaît là. Non par contre ça c'est trop long à déblayer, laisse tomber. Je vais pas y aller. Je vais descendre. Allez hop. Ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vais pas pouvoir passer de grille sans lame de scie. Ah zut, c'est bloqué de ce côté. Oh zut. Attends. C'est quoi ça? Ouh là, j'ai peur. Alors attendez, allons voir ça. Ta-da-ta-ta. Fouillons. Ok, je prends tout. Je quitte. Je regarde. Ok, il n'y a personne. Je passe. Ça bouge pas en fait, c'est ça qui m'inquiète. C'est quoi ça? Ah, je me cache dans l'ombre. Mais la porte, elle est ouverte, regardez. Je vais aller regarder. Non, je peux l'ouvrir. Ah, c'est un rat. Ok. Eh bien. Ah, oh! Mais non, c'est pas un rat, regardez, il y a quelqu'un qui dort. Oh! Oh là là! Eh mais non, mais non, mais non, mais non, je perds trop de temps là. Mais en fait, il dort là. Ah non, mais c'est trop risqué, le mec, il va me tuer. Bon, je vais aller. Je ne sais. Pas comment rejoindre cet endroit. Ah bon? Oh, est-ce que je prends le risque d'entrer et de parler au gars? Allez, on voit ce que c'est, hein, pour découvrir un peu le jeu. Oh! Mais il est mort? Ah non, mais il est mort en fait. Ben non, il faisait du bruit, je comprends pas. Il n'y a aucun espoir, ok. Je comprends pas trop, hein. Bon, le mec il dort, hein, il est bien. Il est bien tranquille, hein, c'est trop bizarre. Oh! Oh, il y a carrément toute la famille et tout. Attendez. Quand cela s'arrêtera-t-il? Oh merde! Oh merde! Oh non, désolé monsieur, je rigolais! Il y a quelqu'un? Bonsoir. Oh merde. Oui, bonjour. Il me voit pas en fait, je suis invisible. Ah non, mais genre, je lui fais peur. Ah, ok. Non, mais d'accord. Ah, il y a des toilettes. J'aimerais fouiller en fait, je voudrais trouver des objets là. En fait, ça va pas du tout trouver. Dis-moi des médocs. Ah oui, vas-y, dis-moi qu'il y a des médocs là, je t'en supplie. Oh, c'est trop bien, je vais leur voler leurs tomates. Ah non, mais c'est horrible, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, il y a des gens qui vivent là. Ah bah, de toute façon, c'est fermé. Ah non, c'est horrible, je peux pas faire ça. Mais le mec, il m'a pas vu, c'est trop bizarre. Bon, on va passer par là. Bien, il doit être épuisé en fait. Allez. On va aller dire bonjour à la petite famille. De toute façon, j'ai rien à leur. J'ai rien à leur dire. Allez, bonjour. Bonjour. Mais en fait...
Ok, ils parlent entre eux, mais non, mais voilà, c'est tout. C'est très bizarre. Ok, ah oui, alors dis-moi que je trouve des médocs, je t'en supplie, dis-moi que je trouve des médocs. C'est la fin de la journée. Regardez, je les dépouille, les pauvres. Oh là là. En fait, j'ai besoin de quoi? Je vais prendre un comme ça. Voilà. Je vais prendre un comme ça. Et je vais repartir. Oh, mais il y a plein de gens, en fait. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je t'en supplie, dis-moi qu'il y a des médocs. Ah, mais je peux pas faire ça, t'imagines? Si je fais ça, je les condamne, eux. C'est quoi? Médicaments base de plantes. Bon, allez, je vous en laisse. Oh, c'est horrible. Ah, oh, j'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça. Bonjour les gars, c'est quoi ça? Vas-y, dis-moi ce que c'est. Ah, c'est... Ah, ne touchez pas à notre boîte. Ok. Pardon, je rigolais. Je rigolais. Ah, oh, c'est horrible. C'est horrible. Bon, allez, on va courir vers la sortie. Parce que là, j'ai pas trop de temps. Oh! Oh, ça l'a réveillé. Ah bon, lui, alors par contre, je sais pas ce qu'il a. Il reste pas beaucoup de temps, je dois rentrer. Oh, c'est trop stressant ce jeu. C'est trop stressant. Et en fait, je dis ça, je dis voilà, je dis oh non, je peux pas leur faire ça, je peux pas leur voler. Et en fait, je le prends quand même, quoi. C'est horrible parce qu'en fait, c'est ça, en fait, dans la survie, bah, c'est eux ou nous, en fait. Où est-ce qu'il est? Ah voilà, il est passé par là. Oh là 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 là. C'est horrible. Bon, j'ai quand même trouvé des médocs. Je leur ai laissé un peu. Partir du principe qu'ils sont pas malades. Marco est de retour, ok. Très bien. Alors, voyons voir, jour 4. Bienvenue en enfer, c'était marqué là. Allez, dis. C'est qui ça? C'est mes amis, non? J'aimerais pouvoir en ramener autant chaque nuit. Tu m'étonnes. Allez. Alors, toi, par contre, t'es quand même un peu crevé. Donc, tu vas te reposer. Lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est qui? C'est Bruno. Alors, comment on fait pour ce. Ah. A de légères blessures. Ah non, mais du coup, alors comment on fait? Non, c'est lui qui est malade. Ah non, il a de légères blessures. Bah, je sais pas. Alors attends, on va lui demander de faire ça, en fait. Mais il a besoin de repos, il a besoin de repos, il a dormi toute la nuit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors lui, qu'est-ce que je vais lui demander de faire? Qu'est-ce que je peux... Ah non, mais voilà, j'avais dit que je faisais... J'améliorais l'atelier pour pouvoir avoir plein d'objets, en fait, en plus. Donc lui, on va lui demander d'ouvrir ça. Ok, parfait. Bah écoutez, ah il faut 1 heure, ok bah c'est très bien, vas-y fabrique-moi ça. Ok, oh, c'est vrai ça? Un bijou, d'accord, très bien, bah je prends tout. Et des herbes, ok, voilà, parfait, donc là c'est fermé. Est-ce que j'ai exploré toute la maison en fait? Je suis même pas sûr. Eh bah oui, tiens, va là-bas et tu vas m'ouvrir ça. Ça c'est bon, j'y suis allé, ça c'est bon. Là, j'ai pas encore fait ça là-bas. Je vais attendre que lui, en fait, il ait fini d'améliorer l'atelier et puis je vais l'envoyer là-haut. Quand lui, il aura fini de déblayer ça, je vais l'envoyer déblayer ça et tout. Ça va être pas mal, hein, ensuite. Ah, t'auras besoin de bandages. Eh oui, alors écoute, hein, écoute Bruno, c'est pas super cool. Ah, trop cool! Un fauteuil est un meuble confortable. En vous asseyant avec un bon livre, vous pourrez presque oublier la guerre. Eh oui. C'est quoi ça? Ah voilà, vous pourrez barricader les trous et les fenêtres de l'immeuble avec des planches pour nous protéger des pilleurs. Ah mais c'est trop cool. Allez, on va faire ça. Fabriquer. Où est-ce qu'il va? Où va-t-il? Il va barricader là, je pense. Non? Ah, il va barricader là. Ok, c'est bon. Ok, ah, très très bien. Bon, c'est parfait. J'ai besoin de repos. Ouais, t'inquiète. Oh, fais pas de bruit, s'il te plaît. Oh, quoi? Hé, j'ai besoin d'aide, ouvrez, s'il vous plaît. Oh, c'est des enfants. Oh, c'est horrible, les pauvres. J'ai pas assez à manger. Bon, toi. Non, toi. Va répondre aux enfants et au pas de course. Lui, il a fini? Eh bien, comme il a fini. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je vais lui demander de fabriquer autre chose. On arrive, on arrive! Oh les pauvres, mais j'ai plus rien à manger en plus. Fuck la guerre. Allez, vas-y, réponds. L'autre maman est malade, je vous en prie, aidez-nous. Oui. Et merde, c'est pas lui, pardon, c'est lui. Oh là là, je fais du n'importe quoi. Vas-y, parle-leur. Nous.
Nous vivons à plusieurs pâtés de maison d'ici. Notre mère est très malade, elle a besoin de médicaments. Pourriez-vous nous en donner deux? Sans votre aide, elle va mourir. Depuis que notre père est parti au combat, il ne reste que notre mère. Ben ouais, mais j'ai rien en fait. J'ai rien. Je suis désolé. Oh, je suis désolé, c'est horrible. Eh bien, non, je vais économiser en fait. Je vais économiser parce que je peux rien faire. Ah mon Dieu. Alors si, par contre là, ça va pas du tout. Tu vas me fabriquer. Ah, je me trompe toujours de personne en fait. Eh ben toi, va te reposer en attendant. Alors, je vais lui demander de fabriquer du combustible avec une planche. Voilà. C'est qui lui déjà? Et je vais lui demander de mettre un peu de combustible parce qu'il n'y en a pas du tout. Elle court. Et ensuite, il va dormir. Et ensuite, je vais faire avancer la journée. Ça y est, c'est bon la température qui remonte? Parfait. Ok, c'est pas mal. Eh bien. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ouh. Oula, le jeu est en train de planter. Ah. Allô? Bon, eh bien, mon jeu a planté, hein. Ce sont des choses qui arrivent, donc je continue. J'espère juste que ça a sauvegardé. Si je dois tout recommencer, ça va être super lourd. Ne me dis pas juste. Oh mon Dieu, je dois tout recommencer la journée 4. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas la. Comment ça s'appelle? La sauvegarde automatique en cours de journée, en fait. Bon, eh bien, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça vite, hein. Lui, je lui avais dit qu'il allait améliorer ça. Ensuite, lui, j'avais dit qu'il allait. Voilà. Lui, il allait déblayer ça. J'ai plus de nourriture, j'ai plus rien. Je me sens pas très bien, je crois que j'ai de la fièvre. Ben, je te donnerai des petits cachetons, voilà. Donc, il faudrait que je déblaye ça, mais ça, c'est genre super long. Alors, Pavle, va ouvrir ça. Vas-y. Ah, mais il n'y a plus de température. Alors, oui, c'est vrai, j'avais dit que je faisais ça. Voilà, parfait. Je prends tout, je quitte. Je lui demande de fabriquer, vous savez, là, le. La barricade. Ensuite, notre ami ici, je lui avais demandé de fabriquer du combustible. Et comme ça, il va le mettre là-dedans. Et on va passer vite la journée. Alors, je sais pas du tout, du coup, si les enfants vont revenir. Écoutez, c'est peut-être un événement aléatoire qui a lieu. Donc, notre ami Bruno, c'est lui? Oui. Vas-y, mets un peu de combustible, s'il te plaît, dedans. Là, il fait trop froid. Là, il fait vraiment trop froid. Parfait, ça monte. Ah, tu saignes. Eh ben, va dormir, ça va t'empêcher de saigner. C'est pas vrai, mais voilà. Oh! Il y a quelqu'un qui vient. Bon, alors attendez, ça va pas le faire. Je vais attendre que Marco. Non, il est. Je vais attendre que Pablo, il est fini. Il va répondre. C'est un marchand, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que c'est que ça? Des échanges. Ben, je sais pas, je veux dire, présente-toi au moins avant. Oh! J'ai besoin de bandages. Vas-y, donne-moi ça. Donne-moi un. Donne-moi deux. Voilà. Et, qu'est-ce que je peux lui donner? J'en sais rien. C'est quoi ça déjà? Très ordinaire, pas intéressant. Ah, c'est du sucre. Mais alors, par contre, vous savez, dans. Il s'appelle Franco, regardez. Dans Sheltered, en fait, on voit. En fait, dans Sheltered, même dans Curious Expedition, un autre jeu que j'adore, en fait, on voit combien ça vaut l'échange. Là que je vois pas trop, en fait. Si je fais ça, rien de spécial, mais pas mal quand même. Vous plaisantez, il va vraiment falloir plus. Encore? Ok. Et ben, du sucre. Encore? Encore? Ben, je sais pas quoi lui donner. Un bijou. Ah oui, attendez, on va faire ça. Lui donner du bijou. Voilà. Ah bon? T'en veux encore? Ah oui, donc de toute façon, je suppose que tant que le bouton marché conclu n'est pas allumé, ça marche pas en fait. Bah non, attendez. Et si je fais ça? Voilà, j'en ai enlevé un. Pas assez, revoyez votre offre. Oh là là, mais il est intraitable, intraitable. Vas-y, si je te donne ça. Encore? Ah, marché conclu. Allez, vas-y, donne-moi un bandage en plus. Bah tiens, je te donne du sucre. Encore. Oh là 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 là. Ah non, 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 non.
Non, 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 moi je te donne pas d'eau, hein, désolé. Bah tant pis, je garde qu'un bandage. C'est horrible là, parce que alors, les antibios laissent tomber. Je pense qu'il faut que je me coupe un bras ou un rein que je lui donne en fait. Ah oui, d'accord. Alors attendez. Très ordinaire, pas très intéressant. Ah, ok, je lui en donne un. Ça lui suffit. Ce qui est pas mal. Et si j'en prends un et que je lui donne toutes mes plantes? Non, d'accord. On va faire ça. Ah non, mais donne-moi un, s'il te plaît, quand même. Voilà. Et là, j'en enlève un. Et ça devrait être bon. Et voilà. Eh bien, marché conclu, mon ami. Et au revoir. Parce que t'es pas sympa avec moi. Tu es intraitable en affaires. Je ferme cette porte. Voilà. Alors, par contre, lui, du coup, il est pas mal. Il a de légères blessures, donc je vais le soigner. Qu'est-ce que j'ai faisais d'autre, en fait? J'avais déblayé un truc. Ah, vas-y, soigne-toi. Ça devrait guérir maintenant. Très bien. Eh bien, il a des bandages, ça c'est parfait. La température est ok. Là, j'ai quand même barricadé. En fait, bah, là, il faudrait que je prenne le temps de déblayer ça, mais je ferai ça demain, en fait. Du coup, je vais le faire se reposer. Il va descendre par là, voilà. Et ensuite, on va explorer. Voilà, repose-toi. Dors bien. Et on termine la journée. Alors, qu'est-ce que je vais visiter? Je retourne pas à l'école, je vais les laisser, les pauvres. Et juste pour le jeu, pour voir en fait ce qu'il en est, pour voir un peu comment ça fait le jeu, en fait, je vais aller voir le petit immeuble. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a prudence recommandée et c'est juste pour découvrir le jeu, en fait. Là, c'est ma première partie. Donc là, t'es collecteur. Ah, mais il est collecteur! Donc il trouve mieux, je suppose. Oh là là, mais j'avais pas lu. Ouais, mais lui, il a plus de place. Bah, ils vont monter la garde, en fait, tous les deux. On va faire ça. Allez, c'est parti. De toute façon, là, il n'y a rien à faire. Et on part. Oh, mais je suis parti sans armes et tout, juste pour regarder. Ah non, mais je suis fou, moi. Je suis un... Oh. Je dois faire attention, les rumeurs sur les bandits sont peut-être vraies. Je sais pas pourquoi je chuchote, ils m'entendent pas. Ok, là il n'y a personne. Attendez, mais laissez-moi regarder la taille du truc. Ah, ça c'est génial. Ouais, mais du coup, ils pourraient me proposer d'être un bandit avec eux en fait. C'est ça qui est cool. Et ça se trouve, je vais carrément mourir et me faire tuer en fait. Ok. C'est pas mal. Je sais pas ce que c'est. Ah, des doudes d'armes à feu. La poudre à canon. Ok, je prends tout de toute façon. Voilà. Il fallait pas les. Oh merde, il bouge. Il m'a entendu. Non, c'est bon. Oh là là, vous entendez, il y a des tirs dehors. Allez, on entre. Y a personne. Ici. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Va pas si vite, va pas si vite. Imaginez, je regarde par la fenêtre. Il va pas venir, j'espère, j'en supplie, ne viens pas. Je dois m'occuper de mes parents. Oh le pauvre. Oh merde, y a quelqu'un qui arrive par là-haut. Là, je peux pas bouger là. Si je bouge, il m'entend. Oh, je suis trop flippé là. Si ça se trouve, c'est pas vraiment des bandits. Regardez, il a l'air sympa. Il est barbu. Ah merde, il a tué le rat. Ok, salut, je me casse. Je pourrais qu'il me fasse la même chose. Ouh là 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 là. Ça va, je suis discret. C'est trop cool. Dis-moi qu'il y a personne. Oh! Ok, alors, je prends le risque. Allez, c'est parti. Allez, je vole. Oh, je fais du bruit. C'est horrible. Tout prendre. Oh, oh. Je suis fou, moi. Allez, je vole ça et je m'en vais. J'ai trop peur. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Oh mon Dieu, je prends tout. Allez, salut. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. J'ai pas... je suis trop flippé. Alors, sinon, tiens, si, je vais aller voir là-haut, en fait. Vas-y, fouille. Oh, d'accord. Ah, mais j'ai de quoi m'en occuper, vas-y, ouvre. Ah, ah merde. Vas-y, passe là-bas. Oui, 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 il a fait du bruit. Oui, là, il y a ça qui couvre mon bruit, en fait. Ah, mais en fait, je peux monter par là, en fait. Bon, allez, j'explore encore un peu. Ah, il y a deux mecs là, je suis sûr.
Et là, ils vont se demander, mais qui est à l'étage? Il n'y avait personne. Non, mais... Fais voir. Ah non, mais je suis plein, en fait. Allez, salut. Moi, je m'en vais. Je suis trop flippé. Comme ça, je vais sauvegarder, là. Non. Oh, putain. Oh, je me suis pris un gros stress, là. J'ai cru voir que... Ce jeu n'est pas fait pour moi. Ce jeu... Non, mais descends. Oh là là là. Oh, putain, mais fais moins de bruit, s'il te plaît. Marco, tu n'es pas sérieux, Marco. Allez, bye bye. Ok. Vas-y, ferme cette porte, s'il te plaît. Voilà. Bim. Allez, ni vu ni connu. Bye bye. On sent... Oh là là. Ah! Ah, j'avais pas vu. Eh ben, on va tenter le coup. Pour aller voir là, ce qu'il y a là-bas. Attends, je mets mon bouton là tout de suite, comme ça. Une pelle me serait vraiment utile. Ouais, je sais. Est-ce que j'aurai le temps d'ailleurs? Je suis pas sûr. Hein. Si jamais je vois du rouge qui vient là. Oh non, 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 non. Non, ouais, ça, je m'en vais. Hein. Salut. Hein. Non, allez, quoique. Allez, non, mais vas-y. J'ai le temps. Mais j'ai pas de pelle. C'est juste ça, en fait. Là, c'est le stress absolu. Je vous êtes en plein stress, comme moi, en fait, là. Oh là 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 là. Il y a carrément le tremblement de terre là-dedans. Laisse tomber. Ouais, j'ai le temps, c'est bon. J'appuie quand même sur le bouton, on ne sait jamais. Alors, voyons voir. J'ai pris de la nourriture, de la cigarette. Ah, c'est trop cool. Ça, je vais pouvoir les changer. Du fertilisant, des légumes, de l'eau. Ah ouais, non, non, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. Allez, dépêche-toi, Marco, je t'en supplie. Oui, horrible. C'est trop bizarre parce qu'en fait, ce que je me disais, c'est que vous savez, les jeux screamers là, les jeux qui sont tout faits pour faire crier et tout, bah, je suis vraiment pas du genre à réagir en fait. Alors que les jeux comme ça où il y a, où je suis vraiment, je sais pas pourquoi en fait. C'est oh là là. Oh là là, c'est trop bien. Oh là là, c'est trop bien. Allez. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est du tabac. Là, ah, cigarette roulée faite à base d'herbe, la fumée âcre. Ah, roulée de qualité. Ah, c'est pas mal. Des douilles d'armes à feu. Ok, je pose ça, je prends ça. Ah, je quitte. Ah, je cours! Oh là là là. Parfait. Eh ben écoutez, c'était stressant. C'était même très stressant. Et j'espère que je ne me suis pas fait piller pendant la nuit, quoi. S'il vous plaît. Ne me dites pas ça. Oh oui, ah oui. Non mais toi, t'es carrément génial, en fait. Tu trouves trop plein de trucs. Eh bien écoutez, voilà. J'espère que... Oh regardez, oh, j'ai trop, trop à bouffer. Et est-ce que je peux améliorer ça en fait? Ah, il est triste. Ah, mais oui. Oh, là, je le comprends. Oh, ils sont tous tristes. Je peux pas l'améliorer. Oh là, il me manque plein en fait. Ah ouais. Ouais, non, mais je ferai ça plus tard. Le vol est-il vraiment le seul moyen? Oh, oh non, ça y est, je me sens mal. C'est pas sympa de me faire ça. Oui, bah oui, je vous comprends. Mais moi aussi, je suis triste en fait. Oh là là, mais on m'a dit que c'était des brigands, alors voilà. Est-ce que voler à des voleurs, c'est pas considéré comme du vol? Je sais pas trop. Bon bah c'est pas grave, hein. On va s'arrêter là sur ces questions philosophiques. Je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de ces aventures et puis pour voir aussi les autres jeux auxquels je joue. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.